Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tutoriel sur la chaîne. Aujourd'hui on va s'intéresser à Project Cars et on va voir comment installer un skin dans la nouvelle simulation de Slightly Mad Studio. Pas mal de personnes, j'ai vu sur le net, sont un peu perdues pour ça, donc on va essayer de vous aider, hein, chers amis, il n'y a pas de honte à ça. On est là pour ça, nous, SimRacer. Donc pour cela, vous vous rendez sur votre navigateur internet, pour ma part ce sera Chrome, et vous cherchez tout simplement skin Project Cars, et vous allez tomber sur une série de sites reprenant délivrés. Au niveau des ressources, vous pouvez également aller voir sur racedepartment.com, hein, donc vous avez cette fois-ci normalement Project Cars que voici, voilà, et vous faites New Boss Mode, il classe ça dans les modes. Donc si par exemple voilà, vous voulez les Audi R8 des dernières qui ont remporté les dernières 24 heures du Nürburgring, eh bien rien de plus simple, vous l'avez ici. Mais bon, pour notre part, on va aller sur No Grip Racing, qui est un autre très bon site. On va prendre ça par exemple, les nouvelles livrées. Ah bah voilà, tiens, voilà. Si vous voulez une Clio Cup Hello Kitty dans Project Cars, je suis sûr que vous attendez tous d'avoir cette voiture, eh bien on va prendre ça, comme ça on aura un très bel exemple. Vous le téléchargez. Et une fois que c'est téléchargé, vous prenez avec un clic gauche sur votre souris, vous laissez votre clic gauche appuyé et vous venez placer sur la partie de votre bureau le fichier. Vous faites un clic droit, extraire ici. Vous allez avoir 4 petits fichiers. Maintenant, il faut voir où vous allez placer ces fichiers. Pour cela, rien de plus simple, vous allez sur votre ordinateur, vous allez dans votre disque dur, vous cherchez votre dossier Steam. Donc, mes jeux, Steam App, qui reprend l'ensemble de vos jeux, Common, les jeux téléchargés. Et ensuite, vous cherchez le jeu qui nous intéresse, dans ce cas-ci, P-Cars, Project Cars. Une fois que vous êtes à l'intérieur, eh bien, vous allez avoir différents fichiers. Vous allez dans Véhicules, Textures, Custom Liveries, ce qui en français veut dire décoration personnalisée. Vous allez ici. Et ici, vous allez avoir un nombre incroyable de skins qui correspondent à toutes les voitures. Donc, par exemple, voilà, il y a des livrets pour tous les modèles. Vous allez sélectionner les 3 fichiers. Le README n'est pas important. Le README vous indique également voilà, où vous devez placer donc Project Cars, Véhicule, Texture, Custom Livery. Faites attention de faire un backup également de vos fichiers. Donc une fois que c'est fait, vous sélectionnez tout. Vous le copiez ici. Oui, oui, oui. Vous remplacez vos 3 fichiers. Et une fois que les 3 fichiers sont remplacés, eh bien, on va aller voir ensemble dans le jeu ce que ça donne. Nous voici maintenant dans Project Cars, le jeu, donc on va pouvoir vérifier dans notre garage si notre magnifique skin Hello Kitty eh bien, a été ajouté. Donc pour cela, rendez-vous dans votre garage, sélectionnez votre voiture. Donc nous, c'est une Clio Cup, et on va donc voir si le skin a été ajouté. Vous avez votre skin Hello Kitty. À vous les plaisirs de la piste à bord d'une voiture plus swag que l'éternel. Donc beaucoup de plaisir en piste pour vos adversaires, hein, voilà. Bon amusement, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup. Si vous avez des requêtes de tutoriels, des choses qui pourraient vous aider, que vous ne trouvez pas sur le net, ou que vous trouvez en anglais et que eh bien, vous ne maîtrisez tout simplement pas la langue, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part également. Merci les amis et bon amusement sur vos simulation préférée. Salut !